particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024 de cette nouvelle prime. Ce geste est perçu comme une réponse positive aux nombreuses demandes du collectif des fonctionnaires retraités après 30 années de service. Ils expriment leur reconnaissance. Depuis deux ans, nous appelons le président à ce qu'il élargisse sa prime aux retraités, que cela a été fait. Nous avons convié la presse pour dire merci au président de la République. Juste lui dire merci de nous avoir écoutés. Le coffret TASS, qui avait sollicité cette mesure pour atténuer les difficultés liées à la cherté de la vie, remercie le président pour son écoute et son soutien, tout en exprimant l'espoir que d'autres préoccupations des retraités seront également prises en compte. Tant que notre principale revendication n'est pas satisfaite chaque année, nous allons nous réunir ici, nous allons vous appeler, que vous puissiez relayer notre demande au chef de l'État. Nous avons dit, toutes les structures étatiques que nous avons consultées, que nous avons contactées, avec lesquelles nous avons eu des séances de travail, ne nous ont pas permis de trouver une solution à notre problème. Nous avons donc décidé désormais de nous adresser directement au président de la République par la voie de la messe. Nous espérons qu'il a entendu aussi. Cette prime marque une reconnaissance de leurs années de service. Le collectif appelle à la continuité du dialogue pour résoudre les autres problématiques et espère voir la qualité de vie des retraités s'améliorer.